Larry Burrows a photographié la guerre du Vietnam depuis les premiers moments de l'engagement américain, en 1962, jusqu'à sa mort en 1971. Il s'est trouvé au cœur du conflit, dans un pays dévasté, parmi des soldats et des civils traumatisés par la cruauté de la guerre. Cette photo a symbolisé pendant 30 ans la fraternisation entre soldats, quelle que soit leur couleur de peau. On a en effet l'impression que le Marines noir se précipite pour secourir son collègue blanc, blessé à terre. Mais en réalité, l'Afro-Américain se débat des soldats qui l'escortent. Il ne veut qu'une chose, malgré sa tête en sang, retourner combattre auprès de ses camarades restés sur le front. Larry Burrows, élu meilleur photographe de l'année 67, est mort à l'âge de 44 ans lorsque son hélicoptère fut abattu à la frontière entre le Vietnam et le Laos.